Chers voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve à Grenade, une ville où je rêve de venir depuis des années. Je vais te faire découvrir donc la ville de Grenade, qui est la cinquième ville dans laquelle je mets les pieds durant ce petit voyage en Andalousie. Et surtout, je vais t'emmener au point de vue du Mirador pour avoir une vue fantastique sur l'Alhambra. Je me trouve dans l'Alhambra, ce lieu dont j'ai tant rêvé depuis des années. Et là, surtout quand tu arrives à 8h30, vraiment à l'ouverture, tu as encore la chance de pouvoir être tout seul. Et en ayant réservé, tu passes directement, surtout à cette période en novembre. Et bon, je vais m'amuser à découvrir tout ça. J'ai réservé l'entrée du palais de Nasrid à 9h30 pour être certain d'avoir le temps de profiter, de me promener, de prendre toutes mes photos vidéo. J'ai vraiment adoré découvrir le palais de Nasrid, c'était vraiment somptueux, ça je te le conseille si tu viens visiter l'Alhambra, c'est obligé. Et maintenant je vais t'emmener découvrir l'Alcazaba. Depuis les tours de l'Alcazaba, tu peux vraiment avoir une vue splendide sur la ville. Juste lieu là-bas, je te propose d'y aller ce soir car j'aurai une petite surprise pour toi. J'ai passé plus de 4 heures dans l'Alhambra, c'était vraiment génial. Et maintenant, je t'emmène découvrir un lieu qui n'était pas très loin et qui est tout aussi génial. Carmen de los Martires, dont l'accès est gratuit, contrairement à l'Alhambra. Et tu peux visiter ce bâtiment. Bon, malheureusement, pour l'instant, c'est fermé, mais j'ai eu l'occasion d'y aller, c'est super beau à l'intérieur. Mais la plus belle vue, elle est là-haut. Je trouve vraiment ce parc très joli, un bel endroit de verdure à Grenade. Je crois que je me suis fait des potes là avec les canards et les oies. Ça a l'air très très sympa.
je vais t'emmener découvrir les quartiers d'Albacine et de Sacramento. Mais prépare-toi, si tu viens à Grenade, tu vas devoir descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, ainsi, sans cesse. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de marches. Et ça vaut la peine parce que tu vas être subjugué par tout ce que tu vas découvrir. C'est vraiment une ville fascinante. Par contre, je te conseille de faire attention parce qu'ici, beaucoup de lieux ferment entre 14 et 18 heures. Il y a bien un quartier que je t'invite à découvrir si tu viens à Grenade, c'est le quartier de Sacramento. Aujourd'hui, j'ai décidé de visiter des maisons troglodytes. Et c'est des maisons qui ont été creusées par la main de l'homme. Et c'est juste incroyable. Et une fois ta visite terminée, tu as droit à profiter d'un magnifique point de vue sur la Lambra. Il faut du temps pour y arriver, mais j'y suis bientôt. Tu vas voir, ça en vaut vraiment la peine, je t'assure. Quand tu connais le chemin, t'as moyen de le faire en 30 minutes. Mais ça monte beaucoup. Et voilà, avec une heure d'avance, le meilleur spot à Grenade pour regarder le coucher de soleil. Chers voyageurs, c'est clairement ma destination préférée en Andalousie. C'est ici que mon voyage à Grenade se termine, évidemment toujours devant un magnifique coucher de soleil. N'oublie pas de t'abonner à mes réseaux et à bientôt pour de prochaines aventures.